Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler alors d'un aspirateur, balai, laveur, sans fil, 3 en 1, auto-nettoyant, nouvelle génération, nouveau prix, mais oui, disponible en France, tout ça, et oui, parce que voir les produits en photo, bah c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphone. Bon, on commence aussi par continuer de la boîte. Dans la boîte, on aura bien avant notre bel aspirateur normal. On aura un socle, on aura un chargeur pour recharger tout ça. On aura une brosse de remplacement, s'il te plaît, et une petite brossette pour nettoyer l'ensemble. Bon, balai aspirateur, oui, mais c'est un beau bébé quand même, 5 kilos, voilà, quand même, à déplacer, on verra, heureusement qu'il y a les roulettes, mais à porter comme ça à bout de bras pour faire la vignette, quand même. Allez, découvrons un petit peu notre balai aspirateur ou notre aspirateur laveur. On commence par le bas avec la brosse, une jolie petite brosse, hein, qui est motorisée, bien évidemment. On aura remarqué qu'on a également une petite raclette qui permet, en fait, ça nettoie et en fait, ça racle, on verra, en plus, après, ça aspire, tout ça, et on aura également des petits trous à l'arrière pour pouvoir le balader dans la maison. Bon, au niveau du démontage, ça se passe plutôt bien et c'est bien conçu, encore une fois. On pince les deux petits orifices sur le haut pour ouvrir le bac, ok, on a accès au rouleau, et là je me suis dit, tiens, mais comment on enlève le rouleau? Et ben, on se met sur le côté, encore une fois, on a le même système, on pince, on enlève en fait le côté qui permet d'enlever la brossette, qui permet d'accéder bah, évidemment au moteur, mais qui permettra de nettoyer la brossette, de la remplacer, tout ça, ouais, c'est plutôt bien fait. Allez, à l'avant de notre appareil, on aura un bac à eau, alors un bac à eau sale d'un litre, puisqu'une fois que ça aura bien mis des cochonneries dedans, on les verra que ça les met ici. Bon, en haut de ce bac, quand on le démonte, on verra bien qu'on a un filtre en haut, encore une fois, hein, qui permet un peu de filtrer les cochonneries, parce qu'il fait, oui, il fait aussi aspirateur, hein, et on aura vu également à l'intérieur, ce qu'ils appellent, qui va permettre de séparer un petit peu les liquides et les solides, il y a une espèce de petite passoire et tout, rien d'impressionnant, mais on aura compris que ça va rester en haut et que le liquide va passer en bas. Allez, à l'arrière de notre appareil, le même bac, mais là c'est un bac à eau propre de 1 litre aussi, hein, bien évidemment, là tu mettras de l'eau propre. Alors eux ils indiquent bien qu'on peut mettre du produit liquide, alors attention, mettez bien du truc bien liquide encore une fois pour pas encrasser un petit peu les injecteurs. Moi j'ai mis un petit peu de produit liquide directement dedans et tout, et c'est vrai que bah, du coup ça sent bon et ça nettoie quand même vachement. Bon, en haut tout ça ma petite dame, une batterie amovible, ça c'est aussi une bonne nouvelle, une batterie de 4000 mAh, ok, autonomie annoncée en mode automatique 45 minutes et la charge complète de notre batterie sur l'appareil où on verra tout à l'heure dans son socle en 4 heures. Allez, en notre appareil, on aura également une poignée avec un bouton on-off, bon classique, tu allumes et puis tu éteins et en plus elle te parle. Notre autre bouton permettra de basculer un petit peu entre les modes, hein, on verra soit le mode désinfectant, absorption, smart ou max, ok, ça c'est facile. Et enfin le dernier bouton du haut qui est le bouton auto-nettoyant, ça veut dire qu'une fois que tu as fini, tu remets l'appareil sur son socle, il met auto-nettoyant. C'est-à-dire qu'il va injecter de l'eau propre sur la brosse et ensuite bah, il va aspirer l'eau sale pour le mettre dans son bac et tout, trop bien. Allez, au milieu de notre appareil, un bel écran LCD avec deux ronds et tout. On se croirait sur un compteur de bagnole et tout. Alors, premier mode, c'est le mode désinfection. Encore une fois, il te dit bien, il faut mettre de l'eau propre. Mais là, en fait, il va ioniser un petit peu l'eau propre et tout pour pouvoir bah, mieux nettoyer. C'est pas mal. On a le mode absorption d'eau. Encore une fois, s'il y a vraiment que des liquides et que tu veux juste absorber. On a le mode smart ou le mode intelligent, puisque il nous annonce qu'il y a des capteurs infrarouges qui vont générer, en fait, directement l'absorption et en même temps la puissance de l'appareil en fonction de ce qu'il va y avoir sur le sol, c'est mon mode un petit peu préféré, ou le mode maximum où là ta maison elle est trop dégueulasse, Super Nanny a pas pu vouloir venir, et voilà, hop, tu vas pouvoir y aller directement en mode maximum. Bon, on a noté à l'arrière, il y a un petit bouton à haut-parleur barré, alors je me dis tiens, on va pouvoir couper le son. En fait, pas dans notre version, peut-être qu'il y aura mise à jour, mais pour l'instant, on peut juste changer la langue. Ah bah là, un poco espagnol, italiano, français, allemand et tout, alors il n'y a pas nos langues exotiques asiatiques, ni russes, voilà, ils ont été punis. Bon, parlons un petit peu de la base. La base permettra en fait bien évidemment bah, de recharger notre appareil, ok, c'est plutôt joli. On aura également la possibilité de mettre notre brosse sur son côté, on aura également la possibilité de mettre notre brossette aussi, hein, comme ça c'est plutôt joli et c'est plutôt classe. Mais on a remarqué qu'on a un emplacement à droite avec un petit cache qui permettra de recharger notre batterie externe. Alors ça peut être bien si tu veux juste enlever la batterie et la recharger, ou si tu veux acheter une deuxième batterie et en avoir une qui est dans l'appareil en charge ou quand tu t'en sers, et une deuxième qui recharge. Moi j'ai trouvé ça plutôt bien conçu, et se dire avec deux batteries, 2 × 45 minutes, ah, c'est parti pour l'aventure. Bon, je me rends compte que j'ai oublié de vous faire les plans. Il existe également une application, l'application Procénic. Alors, bah, l'application, il n'y a pas bien grand chose dedans, hein. Si bien que vous allez retrouver les modes, hein, intelligent, max, stérilisation ou absorption d'eau, voilà, rien d'exceptionnel. Le seul truc bien, c'est le mode mouchard, c'est le mode enregistrement, voilà, elle vous dit à peu près combien de temps. Alors là, on a fait 11 minutes de nettoyage et on a fait 3 nettoyages au total.
Alors ça correspond à mes tests de la veille, où j'ai fait le café, machin, le truc, après j'ai mis le nettoyage et tout. Alors c'est un peu le mode mouchard, alors ça peut être intéressant pour certains, si vous allez mettre l'aspirateur, on dirait, chérie, est-ce que t'as passé l'aspirateur? Oui. Ah, et là tu prends l'application, et hop, tu te synchronises avec l'appareil, et l'appareil va te dire, ah alors il a passé combien de temps, nanana, combien de fois. Voilà, c'est juste le petit truc, parce qu'après dans l'application, on peut juste changer les modes et avoir un petit peu le détail, voilà, de l'usure de l'appareil et tout. C'est pas extrêmement, c'est plus un rappel de ce qu'on peut trouver sur le LCD, mais moi j'aime bien le mode mouchard, et là, en train de te dire, ah ouais, ça peut être pas mal. Allez, il est parti, le test, on va tester un petit peu. On a mis du café, du riz, du jus d'orange, du coca, du lait et tout, voilà, on a mis un peu ça. Alors, puissance maximum du moteur, 150 watts, ok, aspiration maximum, 15 kPa. Alors, c'est pas le meilleur en aspiration, encore une fois, mais on verra que c'est pas le leitmotiv de l'appareil, et que ça suffit largement. On peut voir qu'au niveau de l'aspiration du riz, c'est pas mal. 70 décibels, il n'est pas trop bruyant et il fait plutôt bien le taf. Et encore une fois, vous aurez vu que vous allez pouvoir juger un petit peu du nettoyage et l'adapter si vous voulez que ça nettoie un peu plus. Il nous annonce également que la brosse, en fait, elle est vraiment de bord à bord et qu'elle peut nettoyer jusqu'à 8 mm du mur. C'est vrai, des fois, il suffit qu'il y ait un grain de riz qui soit proche du mur, tu vas pas pouvoir l'aspirer. Là, comme on est à 8 mm en fait, de la bordure, c'est plutôt pas mal. On aura aimé aussi le mode également de désinfection, encore une fois, qui permet d'électrolyser l'eau. Hein. Alors ça, je l'en fais dans un mode, ça veut dire que je dis, ah, là, c'est sale, machin et tout. Je vais plutôt essayer d'électrolyser. Alors encore une fois, il faut attendre un petit moment lorsqu'il électrolyse l'eau. Et ensuite, voilà, ça va mettre de l'eau électrolysée lorsque ça nettoie mieux ou moins, plus le produit de nettoyage, plus d'y mettre un petit peu d'énergie. On va dire que c'était quand même plutôt efficace. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que ça nettoie super bien, encore une fois, des liquides, des solides et tout, que ça nettoie également le sol, que grâce à la raclette, on se rend compte, bah, des fois, je passais, je me suis dit, mais en fait, ça n'a rien fait. En fait, on voit bien que quand on est en marche arrière, bah, que la raclette, en fait, elle met le truc, et comme ça aspire, voilà, on a un sol qui est quasiment sec tout de suite, et pourtant qui est propre. Parce que ça sent bon et qu'il y avait la brossette et tout. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Bon, ensuite, une fois que tu auras fini, bien évidemment, tu mets l'appareil sur son socle, tu le mets en mode auto-nettoyage. Il va mettre de l'eau propre dans la brossette, ça va tourner comme ça, ça va aspirer, ça va mettre dans le bac d'eau sale. Ça, c'est la chose que j'avais vue. Et une chose que je n'avais pas vue sur le manuel, c'est qu'après, une fois qu'il aura fini, en fait, ça va sécher la brosse. On voit bien en fait qu'au niveau de la brosse, déjà on a des lampes UV en fait qui vont pouvoir désinfecter un petit peu la brossette, tout ça c'est vraiment une chose bien. Et qu'une fois qu'on aura fini, moi j'avais éteint la caméra et elle me dit je me mets en mode séchage. Déjà j'étais pas prévenu, j'étais pas prêt, donc je rallume la caméra et on voit bien en fait qu'il y a une espèce de petit ventilo qui va sécher la brossette. Donc elle sera nettoyée, stérilisée et séchée. Nettoyée, astiquée. Il y avait une chanson comme ça, non? Bon, une fois qu'il aura fait ça, tu enlèves ton bac, bien évidemment. Ensuite, tu mets dans l'évier. Ah, évidemment, ah, t'as toute la merde que de lever dans la maison, qui est mis dans un seul bac et dans un liquide. Alors, tu peux enlever le filtre pour essayer de récupérer une ou deux cartes mémoire que t'aurais perdu éventuellement, ou des boucles d'oreilles dans la maison. OK, et ensuite, tu vides le bac, et ensuite, tu le nettoies. Voilà, après, ça, c'est plutôt facile. Le fait de désolidariser les solides et les liquides, ça peut avoir du sens. Tu peux retrouver des choses, par exemple, ou des M&M's. Bon, est-ce que ce produit, il est génial? Ben, un petit peu, en fait. C'est vraiment la nouvelle génération et tout, quand vous allez voir au prix où il est, en plus c'est vraiment très intéressant. Ça lave pour de vrai, ça aspire, ça nettoie, il se nettoie tout seul, il nettoie la brossette et tout, t'as les bacs au propre, au sale, ça va sécher la brossette et tout, t'as un bac qui est plutôt pratique. Moi je trouve que le produit il est plutôt complet, et on voit que les marques essaient de faire évoluer un peu le dossier de ces balais, aspirateurs, lavage, tout ça, tout ça. Et là t'es en train de te dire combien pour le chat dans la vitrine. Et ben écoute, j'ai une bonne nouvelle, le produit pour le moment est disponible sur Cdiscount à un prix choc de 299 € TTC, mais non, parce que livré sur Cdiscount. Normalement, il va être disponible, quand je mettrai la vidéo en ligne, il va être disponible sur Amazon aussi. Donc, je mettrai le lien dans la description, si disponible ou pas. Hein. Voilà. Je pense pas qu'on ait de meilleurs codes promo, parce qu'il était déjà à 400 balles, ils l'ont mis à 299 €. TTC, livré France, garantie 2 ans et tout. Moi, je trouve que c'est un bon prix. Tu peux me dire ça dans les commentaires, tu mets un commentaire en dessous des vidéos pour dire ce que tu penses de ce produit, bien, pas bien, t'en as déjà un, t'as un autre, tu préfères autre chose, qu'est-ce que tu penses du prix? Moi je trouve que 299 €, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, tu me dis tout ça, je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour et je réponds à tous les commentaires, ne serait-ce que pour dire merci pour ton commentaire, c'est bon pour le référencement. Parce que c'est bon pour le référencement, que t'aies aimé la vidéo ou que t'aies pas aimé la vidéo, aimer, ne pas aimer, aimer ou pas aimer, ne pas aimer la vidéo, c'est toi qui vois, c'est anonyme, tu mets un pouce en l'air, t'as aimé, tu mets un pouce en l'air. Si t'as pas aimé, encore une fois, là aussi, ça aide la vidéo à atteindre les stratosphères et tu te dis que c'est peut-être à toi qu'on va, c'est peut-être grâce à toi qu'on va arriver aux 100 000 abonnés puisque les vidéos marchent plutôt pas mal. Voilà.
fais-toi plaisir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça me fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Et gardez une maison propre, nom de Dieu, avec un produit comme ça. Bye bye.